Le loup cupide. On raconte que dans les profondeurs de la jungle, où la terre jusqu'à l'homme ignorait l'existence, vivait un loup avec sa femme et leur fils. Un jour, quand le loup se préparait comme d'habitude pour aller chasser de quoi nourrir sa famille, le louveteau s'accrochait à lui et voulait l'accompagner. « Père, s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi à la chasse !» La mère essayait de l'empêcher parce qu'elle avait peur qu'il se soit blessé. « Laisse ton père aller !» Tu seras un lourd fardeau pour lui. Tu es encore trop jeune pour ça. » Mais le père répondait. « Laisse-le m'accompagner. Un jour, le louveteau va devenir un loup et va avoir des responsabilités. Il faut qu'il apprenne à chasser dès maintenant. » Ainsi, la mère acceptait à contre-cœur que son fils accompagne son père dans son voyage. Sur le chemin, le louveteau avait soif et se fatiguait après quelques kilomètres de marche. Parce qu'il n'était pas habitué à marcher si longtemps, le père se trouvait obligé de s'arrêter près d'un lac pour que son fils puisse se reposer et rassasier sa soif. Pendant qu'il était assis, le père voyait un lapin qui mangeait l'herbe. « Regarde mon fils, c'est un lapin. Il sera délicieux sur le dîner. Attrapons-le maintenant. »« Allons-y, père !» Ainsi le loup et son fils commençaient à courir après le lapin sans relâche. Finalement, le proie s'épuisait et les deux chasseurs réussissaient à l'assiéger. À ce moment-là, le père voyait un cerf de loin. Alors il disait « Regarde mon fils, c'est un cerf. Comme il est gros et délicieux. Attrapons-le et lâchons ce petit lapin. » « Mais le lapin va s'enfuir, père !»« Je t'ai dit de lâcher cette maigre proie. Le cerf seul nous suffira pour des jours. » Et ainsi les deux loups pour chasser le cerf et laisser tomber le lapin. Mais le cerf réussissait à s'échapper grâce à sa vitesse et aussi parce qu'il repérait les deux chasseurs au bon moment. En outre, les deux loups étaient fatigués de la première poursuite. Alors le père décidait de retourner à l'endroit où il avait laissé le lapin espérant le retrouver et l'attraper. Mais hélas, le lapin fouillait sans laisser de traces. Finalement, le loup perdait à la fois le lapin et le cerf à cause de sa cupidité et il rentrait à la maison les mains vides, tandis que le louveteau apprenait à saisir toute opportunité s'il était à sa portée. Et qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si l'histoire t'a plu, partage-la avec tes amis. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et s'abonner à notre chaîne